Remember back in the days when niggas had waves. Yo, 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 salut YouTube, c'est ton boy Jimmy, comme tu le sais déjà. Aujourd'hui, nouvelle vidéo réaction à Team. La vidéo s'appelle How to maintain 360 waves in summer or hot weather. En gros, comment maintenir ces 360 waves pendant l'été ou quand il fait très chaud. Moi déjà, avant de commencer cette vidéo, déjà je t'invite à me suivre sur les différents réseaux comme tu vois juste ici ou sur YouTube directement, même pas où. Suis-moi sur YouTube, active la cloche de notification. Et moi, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, à ce sujet, c'est que j'avais fait une vidéo, je crois, l'année dernière sur ça. J'expliquais que c'est vrai que quand il fait très chaud, tu habites dans un pays où il fait très chaud, très humide, ou par exemple, tu habites en France comme moi, que tu es à Paris et que d'un seul coup, il fait chaud parce que c'est l'été. Bah, c'est vrai que tu te demandes comment faire. Parce qu'en hiver, c'est pas que c'est plutôt simple, c'est que on va dire que c'est beaucoup moins compliqué de maintenir ses waves, de mon avis. Hein. Peut-être que d'autres diront l'inverse. Moi, c'est mon avis. Mais en été, par contre, c'est compliqué parce que tu as les frisottis, comme tu as plus d'humidité, plus de chaleur. Toi, déjà, tu vas beaucoup plus transpirer, donc ton cuir chevelu va dégager de l'eau, dégager de l'humidité. Donc qui dit que ça veut dire que ça va gonfler, donc c'est compliqué. Moi, j'ai une petite technique pour vous. Je ne sais pas si ça va être ça qu'il va proposer, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est d'utiliser un durag humide, froid et de le mettre sur vos waves avant de faire une session ou après. Je préfère quand même après. Ça veut dire que tu fais ta session brosse, tu prends ton durag, tu l'humidifies avec de l'eau froide, tu l'essores bien, tu le mets sur ta tête et en fait, ça va plaquer comme si, enfin c'est pas comme si tu faisais un Wachenstein, mais ça va aider à comprimer. Et tu l'enlèves uniquement quand c'est complètement sec. Et tu verras que là, tes cheveux sont vraiment bien plaqués. Donc moi, c'est la technique que j'utilise quand il fait très chaud. En ce moment, par exemple, je prends mon durag, je le fais et voilà. Mais les gars, je suis pressé de réagir à ça juste après mon intro. On se retrouve tout de suite, la team. Remember back in the days when niggas had waves. Bon, tu sais comment ça se passe? Quand je mets le casque, on commence tout de suite. What's up, waivers? Welcome to PhD in Waves. PhD in Waves. Non, lui, là, je me souviens qu'il avait des bonnes waves. Go over how to maintain your 360 waves during the summer. C'est ça, quand il fait chaud, c'est galère. En plus, pour moi, je pense que ça doit être beaucoup plus compliqué pour les personnes qui ont des cheveux, donc qui forment beaucoup de boucles, donc les cheveux crépus, parce qu'en fait, ça va surboucler, overboucler, et là, c'est une galère, overcurl, tu vois. Ok, donc, c'est ça, tu vois, ne pas overcurling. Ok, donc pour lui, il dit que en été, il faut avoir son durag beaucoup plus souvent qu'en hiver. Moi, je reste dubitatif sur ce conseil parce que en été, comme déjà tu as beaucoup plus de soleil, là je parle bien des personnes qui habitent en France, ok? Comme tu as plus de soleil, donc il veut dire que tu vas bronzer naturellement, tu vois? Là, je parle des personnes qui sont claires de peau comme moi. Mais même si tu es foncé, de toute façon, quoi qu'il en soit, tu bronzes dessus. Donc tu vas avoir une démarcation par rapport à ton durag. Donc l'avoir le plus souvent possible dehors, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Maintenant, à l'intérieur, pourquoi pas? Mais à l'extérieur, je ne suis pas fan. Après, c'est vrai que ça aide par contre à garder les cheveux toujours plaqués, ça c'est sûr. Is to wear a durag. Ça c'est ce qu'il dit, ok. Ça c'est sûr, et c'est ce que j'ai dit au tout début, c'est que quand tu vas avoir de la transpiration, ça va friser, ça va faire de l'overcurl. When it's hotter. I'm not saying you have to wear your durag all the time. Okay. Obviously, if you're going out, if you're going on a date. Écoute, il a des sacrés waves quand même. Enfin, du moins, c'est silky. C'est ça, si tu mets un durag tout le temps, ça sert à rien. Ok, là, il parle du moment où tu fais une activité. Mais si tu sors dehors comme ça, juste, tu vas pas avoir tes potes, tu vas rien faire, juste tu sors. Comment tu fais? C'est ça que je veux savoir, ce que lui va dire. Second thing, ouais, c'est quoi la deuxième chose? Oui, et ça c'est vrai. Tu ne fais pas de wolfing, donc pour ceux qui ne savent pas le wolfing, c'est laisser pousser ses cheveux dans le sens de tes waves tout en brossant pour améliorer la condition globale de tes waves, la profondeur, l'aspect, etc. Maintenant, en été, comme il fera plus chaud, comme tu vas beaucoup plus overcurl, garde tes cheveux, pas le plus court possible, mais le plus court par rapport à ta texture de cheveux. Moi, me concernant sur mes waves, allez, 3, c'est le max que je peux faire. J'avais déjà fait une fois 2.5 dans le sens des waves, mais ça m'a ruiné quelques waves, donc 3, c'est le max. Donc ça, toutes les deux semaines, tu le fais. Quand tu arrives sur une période où il fait beaucoup moins chaud, tu peux recommencer ton wolfing. Mais effectivement, garde tes cheveux le plus bas possible quand il fait très chaud. Super, tu vois, il ne faut pas avoir une super low cut, comme il dit. Là, je suis d'accord avec lui.
ça va overcurl. Ah, de pouvoir les maintenir. C'est ça. Là, je suis d'accord. C'est beaucoup plus simple. Tu vois, là, je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit. So make sure medium hair lengths. That way it's easier to control. It's less likely to frizz. Because if your hair does frizz and your hair is really long, oh, tu vas galérer. It's gonna be very difficult tu vas galérer, mon pote. Down. So during the summertime, I try not to go on super long wolves. I try to get a haircut every 2 weeks. C'est ça, tu vois, and toutes les deux semaines. C'est ce que je vous dis, les gars. I make sure to trim it down. So toujours, toutes les deux semaines, boum, comme ça, moi, t'es tranquille, tu vois. C'est quoi la troisième chose? Ok. Moi, les wash and style, alors ça, c'est une technique que beaucoup de personnes disent, et moi aussi, je le préconise, hein, de pouvoir faire un wash and style, on va dire, plus souvent. Maintenant, moi, je fais cette expérience en ce moment parce que je vous parle pas trop de mes waves en ce moment. Mais j'ai des pellicules et à mon avis, c'est parce que j'ai eu un changement dans ma routine et c'est le fait que je fais deux wash and style au lieu d'un dans la semaine qui fait que ça enlève beaucoup plus de sébum. Donc, mon cuir chevelu va produire un surplus de sébum et je pense que c'est ça qui dérègle, tu vois, au niveau de ça. Donc, faire attention. Je suis pas trop fan de ça au final. Après, je dis ça, mais moi, je suis une personne qui est medium straight hair. Donc, pour moi, ça me concerne, tu vois. Vous êtes, en fait, chacun est différent, donc ça dépendra de comment t'es toi. Ça, c'est sûr que c'est un cheat code. Ça, c'est vrai. So you do want to make sure you're staying up to date with your wash and styles. This is going to help bring your pattern back into place. Après, il n'a pas tort, comme j'ai dit, hein. Mais je sais pas, je suis pas vraiment fan de cette technique. Mais tu vois, est-ce qu'il va parler de ma technique du durag humide froid, en fait? Quatrième chose. Oui, bon, ça, après, j'ai envie de dire, c'est normal de pouvoir rester, j'allais dire update, j'allais faire la même chose que lui, de pouvoir rester à jour dans ses sessions brosses. Tous les jours, tu brosses. Dans le concept, si tu as un waver ou si tu veux avoir des waves, tu brosses tous les jours. Donc, peu importe que tu sois en hiver, en automne, en été, au printemps, tu brosses. You're gonna sweat, so you want to make sure your pattern is trained. So you want to make sure your pattern is in the morning, trained. In the afternoon and at night, just to make sure your pattern is trained. Ouais, brosse. Dès que tu peux, tu brosses. Comme c'est le concept hein, des waves. Dès que tu peux, tu brosses. Less likely it is gonna fall out of place. So make sure you're constantly training your pattern and making sure it's in place. Ouais. So when your hair does frizz or move out of place, your hair is already trained, so you can just brush it back into place and you're good. Mm. When it comes to the summer, it's not about products. Non, rien à voir avec les produits. Surtout en été, la team. Mettez moins de produits, ça c'est mon conseil. Mettez moins de produits en été plutôt que sur les autres saisons. Parce que tu vas transpirer, donc ça va dégouliner. Tu ne vas pas être à l'aise, tu vas avoir les cheveux qui vont être remplis de produits. T'es pas à l'aise. Moi, j'utilise qu'une huile fluide. Enfin, une huile végétale, tu vois, c'est tout. Not really gonna do too much for your hair. It's all about keeping your hair trained, keeping it laid and protected with your do-rag and doing the wash and style. In addition to making sure your hair is at lower hair lengths, so it's easier to control. C'est une vidéo qui était intéressante. Toutes les choses qu'il a dit, je les connaissais. C'était pas une grande nouvelle. Mais voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi quel conseil vous appliquez. Dites-moi si vous galérez en commentaire aussi avec vos waves en été ou quand il fait très chaud. Mais voilà, en tout cas, j'espère, team, que cette vidéo vous aura plu. Mettez un petit commentaire pour le soutien. Petit pouce bleu aussi pour le référencement. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et surtout activez la cloche de notification pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy. Peace.